en Israël, précisément chez Abraham, où l'Éternel Dieu des armées s'était manifesté. Oh, lui le grand Dieu créateur, il entra chez Abraham, mangea avec Abraham et buva même du lait. Si Abraham pouvait oser quitter sa maison et aller dire à ses voisins que là chez moi il y a le paradoxe, car le Dieu que vous adorez, le créateur du ciel de la terre, le Dieu de l'univers, est là chez moi dans mon salon. Qui pouvait le croire? Personne. Qui pouvait le croire? Personne. Oh, qui pouvait le croire? Personne. Mais personne. Qui pouvait le croire? Personne. Qui pouvait le croire? Personne. Abraham Zambenanda Konayo. Personne. Personne. Yes. Les Kyrie ne manquent jamais. Un homme pouvait lui dire: Abraham, allons-y dans ton salon, je vais voir les dieux que j'adore. Ah, s'il pouvait regarder, il aurait dit ceci: Abraham, cet homme ressemble à tout, mais sauf à un créateur. Il n'est pas question de la vue, mais plutôt des révélations. Ne regarde pas avec les yeux, mais plutôt la révélation. Il n'est pas question de la vue, non, non. Mais plutôt de révélation. Car les yeux, mes bien-aimés, ce sont les pires ennemis de Dieu. Oh, qui pouvait les croire? Personne. Qui pouvait les croire? Personne. Abraham Obengi, vient au Yosambe. Est-ce que mon qui pouvait les croire? Personne. Qui pouvait les croire? Abraham Obengi, vient au Yosambe. Nanya Kangi, Yomiso. Personne. Qui pouvait les croire? Personne. Qui pouvait les croire? Cependant, les grands Elohim étaient chez Abraham. Et dans ces temps d'histoire, le prophète William Branham a déclaré devant les saints, en leur disant oui ceci: je suis un homme comme vous, moi, je suis né dans les péchés. Mais attention, attention, j'ai voilé Dieu toutes ces années. Si William Branham pouvait oser aller au Vatican, dire au pape catholique que j'ai voilé Dieu toutes les années, qui pouvait les croire? Personne. Qui pouvait les croire? Prana Molobi, Obombi Zambé, Atayo Mokoko, Pasokae. Personne. Qui pouvait les croire? Personne. Qui pouvait les croire? Cependant, oh mes bien-aimés, il a voilé la durée. Ah, alléluia. Et nous, mes bien-aimés, nous les disciples de Branham, nous croyons Dieu dans la chair, surtout dans la chair de frère Branham. Si on les dit aux catholiques, aux pentecôtistes, aux baptistes, aux néo-apostoliques, surtout aux témoins de Jéhovah, ils nous regardent avec mépris et ils éclataient de rire, se disant l'un à l'autre: ces gens sont vraiment des fanatiques. Qui les croit, mes frères? Personne.